Le romantisme, c'est une période où finalement on a voulu raconter des histoires. C'est peut-être une des définitions qui peuvent caractériser, il y en aurait beaucoup, mais au romantisme, on veut raconter une histoire. En peinture, on veut peindre une atmosphère, on veut plonger le spectateur, l'auditeur, dans une atmosphère, dans une scène qui se passe. Et Chopin, Liszt l'a fait aussi, a écrit des ballades. Alors des ballades avec deux L, ce ne sont pas des promenades, ce sont vraiment des histoires qui n'en sont pas des musiques à programme, c'est-à-dire qu'elles ne racontent pas une histoire définie. C'est à chacun finalement d'inventer la propre histoire qui lui passe par la tête. Donc l'idée n'est pas créer une histoire fixe, mais c'est vraiment de plonger l'auditeur dans quelque chose qui se déroule. C'est une musique qui se déroule. À l'époque classique, on créait des œuvres très structurées, la forme sonate, qui est une œuvre très vraiment structurée. Au romantisme, il va y avoir également des sonates, mais on va petit à petit s'éloigner de cette forme extrêmement grammaticale, on peut dire, c'est-à-dire très entendue, très convenue, et on va finalement peut-être construire des œuvres très structurées, mais de façon moins académique, de façon moins, avec un plan moins défini auparavant, Et donc, qu'est-ce que fait Chopin quand il écrit ses célèbres quatre ballades? Eh bien, il nous emmène dans une histoire, dans un conte, dans ce qu'on veut. C'est à chacun de se créer cet univers-là. En tout cas, la musique d'elle-même nous parle, me semble-t-il. Donc là, je vais vous jouer la première.
disais que souvent, pendant le romantisme, on racontait une histoire, on disait des choses. Alors, je vous jouer maintenant le troisième rêve d'amour, célébrissime de Franz Liszt. Donc, on est évidemment dans complètement la même idée. Et j'enchaînerai avec un livre de Franz Schubert qui s'intitule « Auf dem Wasser zu singen », je veux dire « Chanter sur l'eau ». Et comme je n'ai pas de chanteuse, de chanteur avec moi, je vais jouer la transcription de Franz Liszt, parce que Liszt parcourait le monde, il adorait ses pères et ses contemporains, il aimait beaucoup Chopin, il aimait aussi énormément Schumann, Schubert, et il a transcrit un certain nombre d'œuvres orchestrales, l'immense symphonie fantastique de Berlioz, il a écrit des paraphrases sur des airs d'opéra, et il a transcrit un grand nombre de leaders. D'ailleurs, il a aussi transcrit des mélodies de Chopin au piano seul, qu'on joue assez peu, qui sont très belles, et donc des leaders de Schumann et de Schubert, et celui-là, Auf dem Wasser zu singen, me paraît un des plus beaux. Thank you.
passages ou des grandes fresques romantiques là, qui racontent vraiment une histoire, puisque c'est, après une lecture du Dante, c'est évidemment le Dante de la Divine Comédie de Dante. Donc tous ces personnages que vous allez retrouver, il n'y a pas besoin de donner des clés, elles sont très claires. Vous verrez l'intervalle du triton, qui est un intervalle interdit au Moyen-Âge. C'est cet intervalle-là. C'est l'intervalle le plus dissonant qui existe. C'est un intervalle vraiment qu'on interdit au Moyen-Âge parce qu'il est très dissonant, donc il ne rentre pas dans une structure harmonique, on peut dire, quelque part, en simplifiant. C'est un intervalle qui est interdit, pourquoi ? Parce que, justement, il représente le diable. Donc, Liszt, dans l'Inferno de Dante, va énormément l'utiliser. Il va d'ailleurs commencer par ça, vous verrez. Et finalement, cet intervalle-là, qui sera développé au fur et à mesure de l'œuvre, vous allez voir qu'il va grandir, hein, et bon, vous verrez la représentation du paradis. Tout ça, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, vous allez le retrouver. Ce qui est très étonnant dans cette pièce, moi, ce qui me transporte vraiment, c'est dans cette grande fresque, Liszt, finalement, raconte là encore véritablement une histoire, mais une histoire qui est un poème symphonique. C'est quasiment une symphonie, quasiment un orchestre dans le piano. Et il va utiliser vraiment la virtuosité qui est, on le sait, là j'ai un petit peu été contre, là on l'a retrouvé dans ce lied, un petit peu la virtuosité, mais finalement dans les consolations, dans toutes ces pièces finalement très rêveuses, Liszt n'est pas seulement hein, la grande bête de scène qu'on sait, le compositeur des rhapsodies hongroises, etc., où il y a évidemment beaucoup de virtuosité, mais une virtuosité finalement qui est présente pour épater l'auditoire. Et dans cette lecture de Dante, un petit peu comme dans la sonate également, il va utiliser finalement tout son matériau d'immense savoir d'écriture de piano, très orchestral, très virtuose, mais au service d'un discours musical. Et c'est là que je trouve que Liszt est le plus grand, quand il arrive à finalement utiliser toute cette matière incroyable, ce domptage du piano, pour vraiment emporter une histoire et vraiment le faire sonner le piano d'une façon spectaculaire. Je vais essayer.
Thank you.
Thank you.